La méditation, c'est vrai que moi, en tant qu'athlète, donc pour situer peut-être, je suis 6 fois champion du monde de kickboxing. Néanmoins, au tout début, sur certains combats, j'ai perdu. Alors que je me sentais plus fort techniquement, je me sentais plus fort physiquement. Et avec le recul, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je crois que c'est là-haut, c'est dans mon mental que ça fonctionne pas bien, ou je suis pas aussi prêt que mes adversaires, j'ai besoin de me préparer mentalement. Et je me suis interrogé sur comment améliorer ma performance au-delà de l'entraînement classique, parce que c'est vrai qu'en France, en plus dans les sports de combat, il y avait ce côté très très viril où en fait on refusait peut-être de regarder ce spectre, et c'était soit t'étais entre guillemets une tarlouse, quoi, c'est comme ça qu'on m'a qualifié, ou quelqu'un qui était pas bien, tu vois, ou alors t'étais un bonhomme et tu t'avais pas besoin de ça. Et en fait, avec les années, on a compris que ça n'avait rien à voir, c'était de la débilité profonde.